Malgré un début pas folichon pour les audiences de la saison 4 de Gotham, il faut avouer que les méchants qui sont prévus promettent du lourd. Déjà, il y a l'épouvantail qui est quand même assez stylé, et maintenant il y aura Solomon Grundy. Il s'agira de Butch, revenu d'entre les morts pour foutre le bordel. Déjà, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est une belle évolution pour le personnage, un bon moyen de le renouveler. Après que l'on ait découvert que le personnage est né Cyrus Gold dans la finale de la saison dernière, on imaginait qu'il se passerait bien quelque chose à ce sujet. Maintenant, nous savons que Grundy va sortir du marécage dans l'épisode du 19 octobre. Donc très bientôt, les amis. Le personnage pourra ainsi exprimer toute sa terreur dans la période d'Halloween. Cependant, cette version de Gotham de Grundy sera quand même un petit peu différente de celle que l'on connaît dans les comics. Le personnage n'ayant pas la même origine, cela va apporter quelques modifications. Tout d'abord, presque tout le monde à Gotham connaît Butch. La rencontre avec des méchants ou gentils qui l'ont connu, ça donc intéressante. Certains le reconnaîtront, d'autres non. De plus, il sera vraiment intéressant de voir comment Tabitha va réagir à sa résurrection, vu qu'elle semble avoir développé des sentiments pour ce dernier. Et de son côté, Grundy se souviendra-t-il en partie de sa vie passée, de ses amours, mais surtout de ses rancœurs? En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça, j'attends les fans du show dans les commentaires. C'était Mathéo, ciao tout le monde.